taking away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you sing in that song. Comment est-ce que tout le monde? Il est plus. Il est autour de midi et quart, là. Je me suis réveillée vers 10h30, je pense. Ouais. Donc, je suis couchée dans mon lit, comme vous pouvez voir. Mais c'est pas que je me suis pas levée, là. Je me suis levée. Je voulais aller dîner, mais. Sérieux. J'ai pas faim. Fait que je mangerai pas. Je mangerai plus tard. Qu'est-ce que vous voulez? Ouais. Fait que Anthony est à l'école. Il finit l'école. Mais là, son cours commence à 12h30. 1h30, 2h30. Ça doit être un cours de 2h30. Proche de 3h. Non, je pense qu'il finit à 3, là. En tout cas. Fait que. Hier, je vous ai pas vlogué. Fait que. Il y en a plein d'entre vous qui me demandent des nouvelles. Qu'est-ce qui s'est passé avec la CSST, en fin de compte, c'est ça, là. Fait que, ben là, désolé, ceux que ça intéresse pas, mais en tout cas, je vais vous dire vite, là. En fin de compte, hier, ils ont attitré mon dossier à quelqu'un. Yes! Il était temps. Quelqu'un qui s'occupe des retraits préventifs, puis mes dossiers, ils sont tous rentrés correctement. Mais là, dans le fond, moi, hier, je voulais parler à la personne parce que je voulais faire avancer les choses dans le sens qu'il faut qu'il nous envoie les papiers. Ben, c'est ça qu'on m'a dit. Hey, je suis rouge, c'est tout. Faut qu'on nous envoie les papiers, mais je préférerais comme aller les chercher en personne, tu sais, tant qu'à faire, puis attendre la poste, tout ça. Fait que hier, je me suis déplacée en personne, mais la personne, elle venait de quitter. J'étais comme. Ouais, puis quand t'appelles au numéro sans frais de la CSST, ils veulent pas te transférer. Donc là, j'ai appelé encore aujourd'hui, mais il va comme faire le message. Mais il m'a dit que ça pouvait prendre l'analyse de dossier des fois 2 à 3 semaines. Là, j'étais comme, s'il vous plaît, c'est depuis le 4 janvier, comme. Ça peut pas être genre dans les dossiers urgents à régler, et comme, oui, oui, je comprends, là. Fait qu'il va faire le message à la fille. La fille est sortie pour appeler. Mais ce que je comprends, là, de la CSST, c'est comme ils ont des semaines de paye. Puis la semaine de paye, c'est le 18 mars. Qui est comme jeudi prochain. Après ça, c'est le 18 février, excusez. Puis après ça, c'est le 3 mars. Fait que, dans le fond, là, j'aurai pas mon argent la semaine prochaine. Là. Fait que je pense que j'aurai pas mon argent avant le 3 mars. Mais, au moins, si c'est réglé, puis que je sais la date que je vais l'avoir, c'est moins pire. C'est comme moins stressant. Puis je pense que je suis supposée d'avoir tout l'argent d'un coup. Comme ce qu'ils me doivent. Mais c'est tellement ridicule parce que moi, la même semaine quasiment, je vais devoir faire ma demande pour mon congé de maternité, genre le RQAP. En tout cas, si vous avez été au Québec, vous savez c'est quoi. Fait que c'est vraiment niaiseux, là. Comme, en tout cas. Ah là là, que c'est compliqué le gouvernement. Donc, ouais, c'est ça, je suis couchée dans mes draps, ok, parce que je suis tellement contente. Pas tellement contente, ok, mais c'est tellement long, ok, de laver d'être couverte, parce que, ben, c'est un lit king, puis c'est vraiment long à sécher. Comme, c'est l'enfer, si je veux. Comme, l'idéal, c'est de le sécher l'été, puis de faire sécher dehors, mais comme, c'est l'enfer, là, faut le nombre de fois qu'il faut le faire sécher. Fait que ça faisait un bout, quoi, qu'on était dû pour faire nettoyer notre couverte, que j'aime vraiment beaucoup. Fait qu'on l'a nettoyé hier. Puis, ça sent tellement bon des draps propres, là. Fait que c'est pour ça que je suis comme full gros faux là-dedans. Puis, j'ai nettoyé les vêtements de Jayden hier. J'ai avancé dans sa chambre. J'allais vous montrer un peu, là. Là, mon fond, là, il est comme replié parce que j'ai mis la crème. Mais bon, elle est déjà rentrée. Fait que, je vais vous montrer un petit peu. Donc, dans le fond, j'ai fait mon sac à Jayden. Sac pour l'hôpital parce qu'on sait jamais quand il peut arriver. Donc ça c'est fait. Ça je sais pas si je vous l'avais montré, mais j'ai mis dans le fond le matelas. Puis il se fixe à l'arrière, mais je l'ai pas fixé encore. Donc il y a des petites attaches, fait que ça va se fixer à l'arrière. Puis c'est un matériel qui se nettoie là, mais on m'a conseillé d'acheter par-dessus comme en tissu
parce que ça peut être un petit peu froid là, pour le bébé. Fait que, en tout cas, j'ai mis ça là, j'aime pas ça, j'ai mis mon, mon chauffe-lingette, mais je l'ai pas installé encore rien là. Fait que j'ai mis ça là, puis c'est parfait comme ça, genre j'ai pas besoin de plus de choses, c'est parfait. Puis que j'ai fini, j'ai classé, je vous avais montré, mais j'ai comme classé plus de choses. Fait qu'il me reste juste ça, dans le fond, à tout laver. Toutes les serviettes, là. C'est la seule chose qui me reste à laver. Tout est prêt, je suis tellement contente. Puis, c'était quoi? Ah, oh, c'était juste ça que j'ai rangé ici. Alors, là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ah oui, hier, on a commencé à faire dormir Muffin en bas. Ouais, parce que, ben moi, ça me dérangeait pas partout, là, qu'elle dort dans notre chambre, mais des fois, elle se réveille dans la nuit, puis ça lui tente de jouer. Fait que, genre, elle court dans la chambre, là. T'sais, elle fait le tour du lit en courant. Ça nous réveille des fois, fait que... Elle faisait pas ça avant, mais là, je sais pas, elle se réveille, là, puis ça tente. Puis, comme Jaden va être dans notre chambre les premiers mois, ben, je veux pas que ça le réveille non plus, tu sais. Fait que je sais pas. Fait qu'on s'est dit, on va essayer de la faire dormir en bas. Puis, ça a bien été, là, dans le fond. C'est bien parfait comme ça. Puis, ben, c'est encore mieux, là, parce qu'elle a son petit espace en bas de, avec l'enclos, là. Pas la cage, l'enclos. Puis, tu sais, si elle veut jouer, plein d'espace pour jouer. Puis, c'est aussi que comme je vais allaiter, je vais me réveiller plein de fois dans la nuit. Puis, c'est sûr que quand je vais me lever du lit, elle va se réveiller. Fait que ça me tentait comme pas trop, tu sais, qu'elle commence à vouloir jouer quand que... T'es à moitié endormie puis que tu dois allaiter. Là. Voilà, alors ça a bien été, on est bien contents. Alors, oui, il y a un pipipad que j'ai mis là. Parce que c'est le pipipad qui était dans la chambre, puis. Puis il faut que j'aille le jeter. Puis j'aime pas ça, jeter ça dans la poubelle des toilettes. Donc, c'est pas ça, là, je vais faire mon lit. Puis, je suis vraiment contente parce que hier, ma fille, elle est. Parce que vous savez qu'elle. Elle va dormir sur le patio. Mais elle a été plusieurs fois d'elle-même, tu sais, quand même sur la porte, genre, pour pouvoir aller dehors. Puis elle fait ses besoins, mais genre, pipi et caca. Fait que c'est fun. Donc, ben, elle en fait en dedans aussi, là, mais comme. C'est fun. C'est ça. En tout cas, fait que là, j'avais prévu de filmer deux vidéos. Donc, c'est ce que je vais faire. Bonjour tout le monde, je viens de filmer ma première vidéo, puis c'est, comme vous pouvez voir, mon maquillage. C'est un tutoriel. Fait que c'est mon deuxième tutoriel avec la palette Simply Nude d'Élise Wattier. Fait que si vous l'avez pas vu, allez voir sur ma chaîne, ça va être déjà en ligne. C'est juste le deuxième parce que j'en ai posté un hier. Puis je suis contente parce qu'il y en a qui me disaient que là, mes tutoriels leur manquaient, donc... Voilà, d'autres tutoriels, deux en deux jours. Donc, c'est ce que j'ai fait. Puis là, dans le fond, il me reste à tourner une autre vidéo que j'avais prévue aujourd'hui. Puis c'est ce qu'il y a dans mon sac à couche pour le sac à bébé, là, pour l'hôpital. Fait que je vais aller faire ça. Je pense que j'ai juste posté une photo Instagram avant. Bon, tout le monde, j'ai hâte de faire tout mon sac à couche. Comme on peut voir, tout, oups. Vous êtes sur le trépied. Tout traîne. Tout traîne à côté, là. Je viens de faire mon sac à couche pour vous montrer ce que j'ai emmené. Alors, c'est ça. J'ai filmé ces deux vidéos-là, puis je suis super contente. Là, il est. Quelle heure qui. Il est 2h08. Donc, il est. Oh, mais je suis OK. 2h08. Ah, ben, Anthony finit l'école bientôt. En tout cas, hey Anthony, il y a eu déjà une note la semaine passée. Oh mon dieu, excusez mes cheveux. La semaine passée, il y avait un mini-test. Et il a eu 96%. Je suis super fière de lui. Puis il m'a dit la moyenne, c'est comme 83. Je me rappelle plus. À peu près. Il y a eu une faute. Fait que... Yay! Plus de batterie dans ma caméra. Alors, j'ai pas le choix de vous filmer mon repas avec mon iPhone. Mais j'ai fait les...
One pot pasta. Les pâtes dans un pot de Camille. Sauf que j'ai rajouté des petits pois. Puis, dans le fond, c'est... Anthony a fait une pizza au smoked meat. J'ai pris une pointe qu'on a coupée en deux. Alors, ça a l'air vraiment délicieux. Bon, tout le monde, je parlerai pas très fort. Je voulais juste vous conclure mon vlog. Puis, je sais pas pourquoi c'est jaune de même, c'est bizarre. Mais il est 2h25 du matin. Ouais, donc... Donc, il est 2h25 du matin. Depuis... En fait, depuis que je vous ai parlé, il s'est passé... Ben, plusieurs heures, là. On m'a soupé tôt, peut-être à... Genre 5 heures, parce qu'Anthony travaillait de 6 à 11. Donc, on m'a soupé tôt. Mais, sérieux, j'avais rien mangé la journée, comme... J'avais pas dîné. Mais, en tout cas, j'avais mal à la gorge, puis... Bref, en tout cas, le souper, là... Je voulais filmer okay, avec mon iPhone. Enfin, je voulais trop vous montrer. Mais dans le fond, c'est Camille Cuisine. Donc, Coccinelle Rebelle, sa chaîne de cuisine. Allez la voir. Je trouve que ça fait super professionnel. Là, puis, oh mon Dieu, tout a l'air bon. Mais comment c'est fait, là, genre, c'est vraiment super bien tourné. Là, je trouve tes vidéos, Camille. Puis, elle a fait, c'est ça, cette recette-là de pâte Alfredo. Mais comme dans... que tu fais tout cuire dans le même, dans le chaudron, puis qui est comme version plus santé par enfance, c'est bien plus santé, c'est pas d'Alfredo, comment que c'est fait, là. Puis c'était tellement délicieux, puis moi je suis difficile sur les pâtes Alfredo, puis ça, dans le fond, là, tu sais, il y a même pas de crème, il y a même pas de fromage dans la sauce, rien, là. Fait que c'est comme beaucoup moins gras que des pâtes Alfredo classiques. Mais c'était tellement bon! C'était vraiment, vraiment bon, genre très, très bon, puis tellement simple à faire. Fait que j'ai vraiment aimé ça, puis il me restait restant. Alors, je suis bien contente. Je vais en remanger demain. Donc, ça. Puis, qu'est-ce qui s'est passé en soirée? J'ai édité 4 vidéos. J'ai juste de finir d'éditer les vidéos qui va être en ligne demain, qui est le tutoriel que j'ai filmé... aujourd'hui, il me reste juste le voice-over à faire, mais je pouvais pas le faire à cette heure-là. J'ai juste fini de l'éditer, fait que je vais faire le voice-over demain. Mais je suis contente, j'ai édité 2 vlogs, j'en ai mis un en ligne. Puis j'ai édité, c'est ça, les 2 vidéos que j'ai tournées aujourd'hui. Fait j'aime vraiment ça, être productive comme ça, là, puis éditer le même jour ou genre le jour après, là, c'est l'idéal. Parce que comme ça, je prends jamais de retard, puis je peux mettre mes vidéos au moment que je veux les mettre, t'sais. Fait que... voilà, je suis bien contente. Parce que là, supposons que j'ai programmé que demain, il va y avoir mon tutoriel. Dimanche, non, lundi, il va y avoir mon vidéo de baby shower, les cadeaux que j'ai eus. Mercredi, il va y avoir ce qu'il y a dans mon sac à couche que j'ai filmé tantôt pour bébé, pour l'hôpital. Et c'est ça, je suis rendue là, fait que je suis d'avance, je suis vraiment contente. Donc, sur ce... je vous dis bonne nuit. Je m'en vais me coucher. Puis, c'est pas ça. On se revoit. Je vais sûrement vous filmer demain. Fait qu'à demain.